Les amis, on se retrouve pour un coffre de clan. Comme vous pouvez le voir, coffre à 10 sur 10. Donc vraiment, c'est un coffre, mais super. Voilà, mon deck de d'habitude, hein, il n'a pas changé, je crois pas. Voilà, donc voilà, rien de 7, hein, voilà, ça n'a pas changé. Donc ouais, donc à mon avis, là, on va changer un peu l'emploi du temps. À mon avis... Ça sera plus une vidéo par semaine parce que j'ai pas trop le temps en ce moment entre les devoirs à faire pour l'école ou quoi que ce soit, c'est assez galère, du coup j'ai pas trop le temps de m'occuper de la chaîne et du coup bah voilà. Donc les amis, c'est parti, on ouvre directement le coffre de clan bah, pour la vidéo, hein. On va pas se faire patienter. Et c'est parti. Donc on commence, 1620 pièces d'or, 38 archers, 42 canons, 46 flèches, 7-3 mousquetaires. Alors, on a toutes les communes, bon, on n'aura pas de légendaire les amis, c'est pas grave pour ce coffre, bon, on n'aura encore rien du tout. Pardon, ça a coupé, bon du coup ça n'a pas coupé le coffre, hein. Parce que ça m'a affiché directement, j'avais juste un problème d'espace disque. Excusez-moi. Donc, c'est parti les épiques. 2 PK. 2 PK. Bon, ça peut aller car c'est une carte. La dernière fois, j'avais eu un sort, souvenez-vous. J'ai eu 3 sorts de rage. J'étais vraiment dégoûtée. Il y en a plein qui demandent les barbares d'élite en ce moment. Je sais pas ce qu'ils ont tous avec les barbares d'élite. Hein. Voilà. Venez dans ce clan. Bon, on est 50 sur 50, mais des fois il y en a qui partent après des coffres de clan. Oui, après des coffres de clan. Moi j'ai bugué. Parce que j'ai pensé à Clash of Clans en même temps. Enfin, d'ailleurs, total. Donc voilà. Donc, si n'hésitez pas à venir dans ce clan-là. Car bah voilà, c'est un clan comme les autres, mais qui est vraiment sympa. On va lancer un petit combat juste pour le fun. Si t'en as un qui veut bien répondre, ça serait sympa. Allez, répondez à l'attaque du clan. Allez, c'est parti, on se fait un petit combat pour le fun. Je sais, je parle pas pendant les combats parce que en fait j'ai pas trop l'habitude de parler pendant un combat donc ça me fait un peu chier parce que du coup ça vous laisse tout seul en PLS là-bas. Ah, il a sorti de glace, d'accord. Bon, je m'en fous, ça va attaquer la tour. Bon, je sais jamais faire ça, mettre la cabane des barbares en plein milieu, jamais, jamais. Mais jamais, les amis. Bon, si jamais j'ai les flèches, hein, on va pas se faire chier. Ça, je la Michael. Oh, petite dédicace, Michael. Michael. Voilà, Michael, je t'aime bien. Merde, fais chier. Bon. Le gros, comme d'habitude, en plein milieu. Bon, il met une tour, mais lui, il va nous la mettre aussi. Bon, je sais pas ce qu'il fait, soit il attend pour une bonne carte ou... Il attend pour je ne sais quoi. Je pense
pense qu'il arrête de jouer en fait parce qu'il attaque plus. Non, c'est dommage, je voulais bien encore continuer à jouer. Ouais, il a arrêté de jouer, c'est dommage. Je crois qu'il a bugué en fait. Je crois qu'il a eu un problème de co, du coup, il a arrêté de jouer. Je sais pas. En tout cas, on a gagné. Donc, ça va, ça va, ça va, tranquille. Donc, les amis, c'est tout pour cette vidéo. Oui, parce qu'à la base, c'est coffre de clan. Donc, à mon avis, vous en aurez une toutes les semaines, 10 sur 10. Coffre de clan, voilà. Oui, je suis passé niveau 9 aussi. Je vous l'ai peut-être pas dit. Donc voilà, donc les amis, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Et n'hésitez pas à voir le premier coffre de clan que j'ai vu. Si vous ne l'avez pas vu, il sera. Enfin, vous allez le voir, hein, n'hésitez pas. Donc les amis, c'est tout pour cette vidéo. Et moi, je vous dis bah, à la prochaine hein, pour une autre vidéo. Ciao, ciao, ciao!